Émilie, tu vas passer la journée avec une personne qui va nous rejoindre dans un instant. 10,5 millions de personnes la suivent tous les jours. Oui, c'est la française la plus suivie d'Instagram. Elle s'appelle Léa et lui, elle a 19 ans. Et elle s'est fait connaître en 2016 grâce à des vidéos de danse sur la plateforme TikTok qui permet de créer un petit peu ses propres clips vidéo. Elle est originaire de Chambéry et en fait, là, elle a abandonné cette semaine, ce week-end, la Savoie pour venir assister à la Fashion Week parisienne. On l'a retrouvée donc à deux pas des Champs-Élysées et on a rencontré ceux qui l'entourent. Il y a d'abord sa maman, qui est aussi sa manageuse, mais il y a aussi Baptiste Giabiconi, l'ex-protégé de Karl Lagerfeld, qui est devenu son agent et surtout qui lui permet de faire ses premiers pas dans le monde de la mode. Et le plus important, on a rencontré sa communauté, ses fans, avec lesquels elle entretient un lien très fort. Celle-ci, quand je fais comme ça, on la voit pas. Alors que celle-là, elle est vraiment donc, il faut te laisser toute la bordure parce que tu les attaches souvent. J'ai envie de... Je peux pas, justement. Bah si, on va pouvoir le faire. Pour moi, c'est... Léa, c'est un petit mix entre... une américaine, une latinos, le chic parisien, c'est un petit mix de tout ça. Elle m'a fait penser à moi, à mes débuts. Un succès qui est arrivé assez vite. Ça peut parfois être destructeur pour certaines personnes. Donc il faut faire attention quand on est un petit peu fragile. Mais c'est pas le cas de Léa. En tout cas, elle est remplie de force, d'énergie. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle a su conquérir et elle le fait encore aujourd'hui. Des millions de personnes qui la suivent, qui la soutiennent. On a envie d'être auprès de Léa, on a envie de savoir ce qu'elle fait, on s'attache à Léa. Et vous postez combien de vidéos, que ce soit par jour ou par semaine? Une vidéo le mercredi, le samedi, donc là j'ai mes IGTV. Dimanche ou lundi, ça dépend. Je fais soit un autre tutoriel, soit vidéo de danse. J'ai un programme assez précis et je pense aussi que c'est ça qui fait que mes abonnés sont aussi fidèles, je pense. La Golden Hour. Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Elle est vraiment simple. Elle aime bien faire du bien pour les autres. Elle est là pour nous. Elle est vraiment unique, Léa. Vous, ça vous impressionne encore de voir qu'elle a autant de followers, autant d'abonnés? Quand on les croise comme ça dans la rue, elles sont toutes mignonnes et tout, donc j'aime bien, moi. Je trouve ça trop chou, en fait. Est-ce que vous avez tout de suite compris quand elle vous a dit « voilà, je mets des vidéos sur les réseaux sociaux » Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Elle venait me voir, elle me disait « Maman, j'ai posté, j'ai 100 000 abonnés. » Oui, c'est bien. Donc j'avais un peu de mal, ouais, je comprenais pas trop. Alors, c'est quand les marques ont commencé, en fait, à lui envoyer des produits, à la contacter. Là, je me suis dit « Oui, quand même, il se passe quelque chose. » Ça vous a rapproché, en tout cas? On était déjà proches. Oui, on a toujours été proches. Mais là, ouais, on partage d'autres choses. C'est différent. On partage plus, je pense, qu'une maman et une fille ordinaire. Ouais. And you're a huge fan? Yeah. What do you like about her? Everything. She's perfect. And where are you from again? Brazil. Okay. And she's famous in Brazil? Yeah. Donc, en fait, c'est impossible d'aller sur les Champs-Élysées pour vous? Je vous avais dit que ça pouvait être risqué. Et effectivement, on est resté, je pense, 2 minutes et il y a eu à peu près 20 personnes qui sont venues. J'y vais de nuit, on va dire. C'est important pour vous de les voir, d'avoir un vrai lien qui ne soit pas juste par les réseaux? Je ne sais pas si je serais là à l'heure d'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas été là pour moi. Donc ouais, mon but, c'est vraiment d'être là pour eux un maximum. Léa et lui est dans Click. Bonjour. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes née à Chambéry. Vous êtes la première influenceuse de France. Vous avez 10,5 millions d'abonnés sur Instagram. La moitié d'entre eux sont américains. À titre de comparaison, Nabila, 5,3 millions. Enjoy Phoenix, 4,8 millions. Comment est-ce qu'on en arrive là, en fait? Comment ça part? Alors, je sais qu'il y a certaines personnes à l'heure d'aujourd'hui qui veulent vraiment être youtubeurs, qui veulent être influenceurs, enfin des choses comme ça. C'est vrai que moi, je faisais des vidéos de base vraiment pour m'amuser. Et c'est un peu arrivé comme ça, sans vraiment que je le choisisse, en fait. Vous dites que pour vous, ça a été un acte de survie, en fait, de faire ces vidéos. Oui, parce qu'en fait, je me faisais harceler au lycée.
Et c'est vrai que ça devenait vraiment très compliqué. Et en fait, j'ai commencé les réseaux pour m'amuser. Et en fait, je me suis vachement renfermée. Et j'ai créé un peu cette bulle. Et je me suis enfermée avec les personnes qui ont commencé à me suivre, etc. Et j'étais à fond. Et je pense que, avec leur soutien, avec le fait de m'amuser avec eux, que ça me fasse penser à autre chose. Et je pense que ça m'a vraiment aidée. Quand on est une jeune adolescente, qu'on se construit, on a toujours un rapport assez particulier avec son image. Lorsqu'on est victime de moqueries au lycée, est-ce que le fait justement de se surexposer, c'est une façon de combattre ça? Aussi. Ça a été dur au début. Il y a plusieurs fois où j'ai pensé à supprimer mon compte, il y a plusieurs fois où j'ai supprimé mes vidéos. Et en fait, j'ai développé un peu une stratégie, c'est que j'ai commencé à parler anglais sur mes réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les commentaires qui étaient la plupart donc négatifs étaient français. Et je me suis dit, c'est pas possible, je me fais déjà harceler en vrai. Je vais pas en plus me faire harceler sur les réseaux sociaux. Du coup, en fait, j'ai commencé à parler anglais et au début, je l'admets, je voulais vraiment pas dire que j'étais française. Je voulais pas, je parlais jamais français dans mes vidéos. En fait, c'est paradoxal, c'est que vous avez vécu une vie parallèle, surexposée, alors que dans votre vie normale, vous vous cachiez, c'est ça? C'est un peu ça. Et en fait, j'étais connue, au début, j'étais très connue, enfin connue sur les réseaux sociaux. Et en vrai, quand je sortais dans la rue, on ne me reconnaissait pas. Et c'est ça que j'aimais trop. Ce qui vous a fait connaître, c'est ces vidéos de danse. Boy, I been had a bag. I come in first place, I never been last. A bitch act stupid, bitch get trashed. C'est une belle revanche sur ceux qui se moquaient de vous. On va dire, ouais. Vous y pensez plus maintenant, ça y est, ils sont loin. Maintenant, vous avez 10,5 millions d'abonnés. Ça reste quand même. Ouais. C'est une épreuve qui a été pas facile à vivre, mais ça va. Qu'est-ce que vous leur dites maintenant? Je dis rien. Et c'est ça la meilleure réponse. Vous regardez, vous, Frédéric Becbédé, les commentaires qu'il peut y avoir sur vous? Ça vous arrive? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis contre, pour des raisons politiques, qu'il serait long d'exposer ici. Je pense qu'on dévoile trop notre vie privée pour des marques et pour que Facebook, puisque Facebook possède Instagram et WhatsApp, vendent nos vies privées à des entreprises. Donc je ne peux pas critiquer la pub d'un côté et de l'autre accepter cette nouvelle sorte de publicité ciblée sur nous. Est-ce que vous avez conscience que Léa représente tout ce qui a remplacé votre monde? Je crois. Le monde dont vous... dont... Elle n'est pas spécialement écrivain non plus. Non, je ne suis pas écrivain du tout. Je ne vous pique pas votre métier. Donc, ça va, parce que vous parliez dans 99 francs, c'était le monde de la pub. Oui, le monde de la Léa, pub, ça c'est sûr. Elle seule remplace la façon dont on concevait la pub à votre époque. À votre époque, le monde de la pub, c'était un monde de mâle, macho. Non, c'est surtout que c'était un monde où on investissait chez des annonceurs et qu'aujourd'hui, l'annonceur, c'est un être humain. En fait, on utilise, on cible. Si moi, à l'époque, il y a 20 ans, on m'avait dit qu'un jour... les marques pourraient arriver dans la vie de chacun en ayant des mesures précises de l'impact. J'avoue que les annonceurs, ils auraient adoré ça, mais moi, ça m'aurait terrorisé. Je trouve que c'est un petit peu angoissant. Par ailleurs, elle, d'après ce qu'elle nous dit, c'est partie d'une vulnérabilité, d'une douleur personnelle. Elle a un talent de danseuse, donc c'est pas du vide comme la télé-réalité. Au départ, quand j'ai entendu parler de vous, j'ai eu peur, je me suis dit, en fait, quelle est la différence avec Loana? Non mais quelle est la différence avec quelqu'un qui exhibe sa vie? En fait, il y a quand même un talent de danseuse et il y a quand même et puis, y a une souffrance et une envie d'être aimée. Et ça, ça ne peut que... J'ai une équipe autour de moi, j'ai ma famille qui me soutient beaucoup, ma maman qui est beaucoup derrière moi. C'est ça, vous êtes tout le temps avec votre maman? Ouais, tout le temps, ma maman m'accompagne et même... ici, j'ai tout le temps... Et Baptiste, moi je le connais bien, parce que j'étais copain avec Karl Lagerfeld, donc j'ai souvent rencontré Baptiste. Baptiste Giabiconi, oui. Elle fait aussi ce qu'on appelle des tutos. Il y en a un qui va vous plaire, Frédéric, j'aimerais qu'on le regarde. «
C'est un tuto pour avoir un suçon, par exemple. Faut que je l'explique celui-là, faut que je l'explique. Non, mais si Frédéric vous avez écouté après le Medellin, ça aurait été encore mieux d'arriver avec un suçon à France Inter. Ah d'accord, un faux suçon pour faire croire qu'on a été agressé. J'ai vu ça sur YouTube, c'est surtout des vidéos américaines, c'est des pranks sur son petit copain et c'est en gros, on lui fait croire qu'on a un faux suçon, des choses comme ça. Et c'était le jour de Saint-Valentin, je crois. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Vous savez ce que c'est qu'un prank, Frédéric ? C'est un guet-apens ? Exactement. Un guet-apens. L'ancien monde comprend le nouveau. Alors, vous savez, l'année dernière, on allait rencontrer un psychologue qui s'appelle Michael Stora pour lui poser une question simple. Pourquoi est-ce qu'on peut déprimer si facilement sur Instagram ? Je crois que le statut de l'image est devenu quelque chose de totalement fou, de totalement tyrannique. Et Instagram en est véritablement un exemple. Et c'est d'autant plus vrai lorsque soi-même, on ne va pas très bien, parce qu'on est renvoyé finalement à des gens qui mettent en scène un bonheur affiché. Cette tyrannie du bonheur, cette tyrannie de l'être bien et de l'être beau à tout prix. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'idéal. Il n'y a pas plus tyrannique que l'idéal. D'où peut-être d'ailleurs des sortes de noyaux de résistance qui est celle du second degré. Heureusement que le second degré, le trait d'esprit permet l'auto-ironie, va permettre justement de pouvoir se moquer de cette tyrannie avant même qu'elle nous effondre. C'est terriblement dépréciogène cet idéal, il faut bien le comprendre. Léa, vous avez 10,5 millions d'abonnés sur Instagram. Comment est-ce que vous résistez à la dépression que ça provoque ? Alors, moi, ce n'est pas par rapport à l'image que je déprime, c'est plus parce qu'en fait, maintenant, je vois un peu plus ça comme mon travail. Du coup, c'est pas de dépression, mais c'est qu'en fait, je focus vachement sur le nombre de likes et le nombre de vues et je base ça sur la qualité de mon travail. Ouais. Donc, on est sursollicité et en fait, la récompense, le fait d'avoir tout le temps des récompenses, les likes, c'est comme des récompenses. Un peu. En fait, on est accro à ces récompenses-là et quand on en a moins... C'est pas vraiment ça, c'est que je me dis, les gens ont apprécié mon travail. Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je le fais un peu pour moi, mais beaucoup pour les autres. Mais ce qu'il dit au niveau de l'image, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement parce que même... Parce qu'avant, j'ai ressenti ça. Avant, quand j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'avais des problèmes moi-même. Et je suis assez maigre, on va dire. Et à cause de certaines photos, je voulais être encore plus maigre. Du coup, à 14-15 ans, je me mettais à faire du sport, des abdos, des machins, parce que je voulais être encore plus maigre. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est juste totalement ridicule. Et maintenant, je sais ce monde-là un peu commencé, j'ai un peu compris. Et c'est pour ça que j'essaye de montrer aussi à mes abonnés beaucoup de moi sans maquillage, de moi aussi quand je vais pas bien. Il y a beaucoup, vous allez voir, si vous recherchez, il y a beaucoup de vidéos de moi où je pleure. Il y a des fois, je vais pas super bien, je vais en live et mes abonnés me remontent le moral. Et c'est pas une, pour moi une manière de, d'avoir de l'attention, mais plus pour moi de montrer, regardez, je vous montre ça, mais ma vie à côté, elle est quand même aussi dure que la vôtre. Et vous, comment ça va en ce moment ? Ça va. Mmh. C'est vrai ? Mmh. Oh, le psychiatre ! Mais non ! Vous êtes sûr que ça va ? Malade. Frédéric, votre fille a quasiment l'âge de Léa. Oui. Est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux ou pas du tout ? Ouais. Bien sûr, oui. Oui, comme toute cette génération, bien sûr. Et... bon, moi, j'essaie de la prévenir, j'essaie de faire mon vieux con qui finalement ne comprend pas grand-chose à ce monde-là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'intérêts à le faire. Ça vous a aidé, sûrement. C'est, à mon avis, très dangereux pour beaucoup de raisons, notamment sur le plan sociétal. Pour moi, on ne devrait pas dire réseaux sociaux, on devrait dire réseaux asociaux, puisque c'est des choses qu'on regarde quand on est seul. Et je ne suis pas certain que ça crée vraiment... autre chose qu'une guerre de tous contre tous. Mais c'est le mon avis. Le monde n'est pas d'accord. Ce n'est que mon avis. Je ne suis point d'accord. C'est normal. En fait, je comprends votre point de vue parce que j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'étais seule. Du coup, je comprends parfaitement. Mais ça m'a permis de développer une communauté et de développer un soutien. Et je sais que ça peut être très dangereux, les réseaux sociaux. Moi aussi, je reçois beaucoup de commentaires qui sont assez méchants, etc. Mais j'ai aussi... j'ai énormément de chance, mais j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante. Ils font toujours attention à moi. Ils voient toujours comment je vais. Pour moi, ça a toujours été bienveillant. Même quand je les rencontre dans la rue, etc., les gens sont très bienveillants. Et
Et le jour où ça s'arrêtera ? Je ferai autre chose. Mmh. Elle a tout le talent pour, en tout cas. Mère. Dis-moi une conclusion à ce débat. Ben, ça s'arrêtera pas. Voilà.